je veux être tranquille avec ma conscience. Sans cela, l'aide de pratique du droit pénal, nul ne peut plaider contre sa conscience. Sinon, on n'est même pas dans le vrai sens du terme, le conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, c'est quand deux parties sont opposées. Mais les accusés ont tous intérêt à se faire tirer d'affaires, leur verser sur le ministère public. Mais à partir du moment, sinon ça fait plus de 8 ans maintenant, depuis 2012-2014, je suis avec les deux groupes. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte que l'un charge l'autre, je ne peux pas être défoulé avec ma conscience quand je dois plaider. C'est tout le problème. Et comme je n'ai pas fait de choix, comme j'ai déjà évolué avec Marcel au fond, il est déjà entendu, j'ai posé des questions. Au lieu de rentrer dans le jeu avec CC, mieux vaut arrêter au profit de Marcel. Bon, ce n'est pas une surprise parce que lui-même, il n'était pas là. Il est rentré le petit matin de l'abbé. Bon, je me demande maintenant comment il peut témoigner les interrogatoires au niveau de la maison centrale. Ça n'y tient pas. Parce que même ce que les gens oublient, un accusé peut dire si j'ai tué, le tribunal ne peut pas rentrer en condamnation. L'AVE ne tient plus en matière criminelle. Il faut apporter des preuves, des indices graves et concordants. Ce n'est pas la déclaration qui compte. Mais on attendra. La plaidoirie va révéler des pratiques. Mais comme le ministère public est en train... Vous avez vu même les questionnaires du ministère public à l'encontre des CC. On veut se servir des CC pour trouver quelque chose contre Toumba, contre Dadis, contre les autres. Ça veut dire qu'ils n'ont rien encore sous la main. Donc ils sont en train d'instruire, d'enquêter maintenant. Mais quand l'instruction est bâclée, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas votre chose, c'est un problème de conscience professionnelle. Je ne peux pas être l'avocat des deux accusés qui ont des intérêts opposés, c'est tout le problème. La parole de Toumba, ce n'est pas la parole d'Évangile, la parole de Cécile, ce n'est pas la parole d'Évangile. Ils ont dit qu'ils ont mené des causeries à la maison centrale. Est-ce que la causerie des détenus à la maison centrale peut faire basculer le tribunal au mépris du dossier de la procédure.